Bonjour, bienvenue sur YouCook. Aujourd'hui, on va faire une petite recette très sympathique. Des poivrons grillés, marinés dans de l'huile. Alors, ça va être une vidéo assez courte, mais pour les poivrons comme ça, vous allez voir, ça va être un délice. C'est parfait pour les saisons chaudes, accompagné d'une magnifique salade. On va les faire griller. Pour les faire griller, vous avez plusieurs solutions. Le mieux, ça va être de le mettre directement sur le gaz. Ça, on va le mettre à feu vif. Si jamais vous n'avez pas de gaz comme ceci, vous pouvez très bien faire la même chose dans une poêle. Et si jamais vous êtes allergique à la poêle, vous pouvez le mettre dans un four. Hein, une vingtaine de minutes à peu près, jusqu'à ce que ça commence à bien griller. Allez, c'est parti, on allume le feu. Alors le but, bien entendu, c'est de les faire griller. Donc vous inquiétez pas, si ça noircit, à l'aide d'une pince, au fur et à mesure, on va le retourner. Là, regardez comme c'est bien cramé là, regardez comme c'est grillé. Alors vous inquiétez pas, cette peau brûlée noire, on va la retirer. Le but, c'est de les faire griller, parce que le griller, ça va donner beaucoup de goût au poivron. Et surtout, on va enlever la peau, cette peau cramée. Alors, pour faire ça, on va réserver les poivrons dans un récipient qu'on va ensuite couvrir de cellophane. Ensuite, vous allez mettre un torchon ou plusieurs torchons par-dessus et on va laisser reposer pendant une 15-20 de minutes. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, 15 minutes sont passées. On va pouvoir retirer les torchons et le petit cellophane. Et regardez-moi ces petits poivrons là. Ils ont pris l'eau, ils sont humides. On va pouvoir les éplucher, c'est parti, sans trop se cramer parce que c'est encore un tout petit peu chaud. Dès qu'ils sont tous bien épluchés, on va pouvoir les tailler en deux pour enlever les pépins comme ceci. Avec le bout des doigts, on peut enlever les pépins qui restent à l'intérieur du poivron. Mon plan de travail, je vais pouvoir le nettoyer parce que je vais avoir besoin de découper. Donc c'est parti. Voilà, mon plan de travail est bien propre pour passer à la découpe des poivrons, mais juste avant, on va les nettoyer parce qu'il reste un tout petit peu de cramé là-dessus et surtout quelques petits pépins par-ci par-là. On met le poivron sur la planche à découper et on vient tailler ça en lamelles. Une fois que c'est bien tranché, on va pouvoir tout transvaser dans un récipient. On assaisonne l'ensemble du poivre, du sel et ensuite on va pouvoir rajouter un petit peu d'ail que je viens éplucher et écraser grossièrement. On la rajoute dans le plat. Ensuite, je vais rajouter quelques feuilles de laurier, un petit peu de thym. Tout ce qui est à l'intérieur, on va pouvoir le mélanger directement avec les mains. Et dernière étape, on vient remplir d'huile d'olive à hauteur. Voilà, on n'a plus qu'à refermer l'ensemble et à laisser reposer au frigo. Et ça, après, vous allez pouvoir le déguster avec des petites salades. Vous allez voir, ça va être frais. C'est des bons poivrons grillés, marinés, un délice. C'est sur YouCook, c'est pour vous, c'est pour cet été. Je vous fais des bisous. Au goût de poivron. Ciao. Abonne-toi à YouCook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant YouCook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description. Il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous. Ciao. YouCook.